lumière, lumière. Bah oui, bah, elles sont toutes allumées, monsieur Drakikilek. Éteignez tout, hein, je suis un vampire, hein, moi je ne suis pas Céline Dion à Las Vegas. Mais non, mais je sais, mais c'est pas possible pour nous, vous comprenez. Ah. Bon, alors, juste 10 minutes, hein. Oui, bah, oui, bah, si vous voulez, bon. Ah, non, ah, quelle horreur. Non, 10 minutes maximum. De toute façon, je suis un vampire wallon, moi, hein. Pendant la nuit, moi je dors. Et pendant la journée? Eh ben, je chôme. Ce qui fait dire à beaucoup que les vampires wallons sont les seuls qui sont attirés par les pieux. Tu comprends? Les pieux, hein, si, hein. Non, mais je vous en prie. Si, oui, non, mais on a compris. C'est pas la peine d'essayer d'expliquer la blague. Oh, mais tu as une belle tête de gousse d'ail, hein. Alors, en fait... Alors ça... Ça me donne un peu d'accord. C'est parce qu'on m'a déjà, dit que ma tête ressemblait à un marron glacé. C'est bien, c'est vrai, c'est vrai. Un pamplemousse. C'est vrai aussi. Oui, une sucette choupa choups. C'est vrai. Voilà, mais une gousse d'ail, pas encore. Ça, ah ben là, c'est confondant. Et en plus, il y a l'odeur. Bon, je vous en prie, dites vraiment. Oh, toute la famille Adams. Morticia, que vous avez de belles dents. Oh, l'oncle Fétide, que vous avez des petits yeux tout fermés. On se réveille, là. Et lui, je suppose que ça doit être la même baladeuse. Oui, c'est ça. C'est la première fois que je le vois avec son corps. Hein. Il ne pourrait jamais mettre son corps à l'écran, forcément. Non. Sinon, le film serait interdit au moins de 21 ans. Bien entendu, alors. Alors, Drakiki, là, vous êtes une espèce assez rare de vampire wallon. Oui, ça n'a rien à voir avec Dracula. Hein. Il est très différent de moi, surtout depuis son opération. Quelle opération? Ben, il a changé de sexe, Dracula. Ah bon? C'est devenu un trans. Ce qui est que c'est un trans transylvanien, si je peux me permettre. C'est amusant. Oui. Moi, je suis vampire de souche, hein. Oui. Depuis la nuit des temps, avec mon teint cireux, avec mes cheveux noirs gominés en arrière qui ne bougent pas. C'est ça le problème, hein. C'est qu'ici, en Wallonie, on me confond tout le temps avec quelqu'un d'autre. Regarde l'autre, ici. Je savais. Non, mais écoutez... Eh ben, lui, c'est un VGM. Vous dites que c'est un... Un VGM? Un VGM. Un vampire génétiquement modifié. Maintenant, il est devenu immortel. Donc c'est pour ça qu'il s'en fout complètement quand vont se terminer les travaux de la gare de Meaux. Ils sont tombés à la queue, oui. Puis si on a bien un qui a rendu toute une population exsangue, c'est bien lui. Hein. Il est 3 divisions au-dessus de moi. C'est pas la même catégorie. Ah, hein. Non, non, non. Moi, je m'attaque aux individus. Lui, c'est un des régions entières. C'est ça, bon. Mais je l'aime bien parce qu'il fut un temps où son cœur saignait beaucoup, vois-tu. Alors à chaque scandale, je pouvais réapprovisionner mes stocks 2 fois par semaine. C'est bien ça. Parce que, vous savez, vous parlez des socialistes, on peut mettre les libéraux dans le même sac, hein, franchement. Ah non, sûrement pas, hein. Ah bon? Il y a une grosse différence entre Georges-Louis Boucher et moi, hein. Ah bon? Moi, par exemple, je ne peux pas me regarder dans un miroir, puisque je n'ai pas de reflet. Ce qui me fait dire que Georges-Louis Boucher est tout sauf un vampire, hein, puisque lui, il passe sa vie à se regarder dans le miroir. C'est pas. Dites, excusez-moi de cette tournure de phrase, mais pourquoi ne sucez-vous pas les plus riches? Il n'est pas marqué Laetitia Hallyday, hein, ici. Non, hein. Mais c'est parce que... Mais écoutez... Bon, mon cher comte, nous vous avons invité ici parce qu'il y a en ce moment une pénurie de sang dans nos hôpitaux. Ah, si vous voulez du sang, j'ai tout ce qu'il faut ici, regardez. Non, voilà. Mais non, écoutez... Allez, prends... vous en faut, j'ai tous les réseaux, j'ai tous les réseaux, les groupes, les A, les B, les AB, les AB+, les AB-, j'ai même du vrai sang d'AB. Ici. Ah bon? Parce que j'ai sucé un abbé la semaine dernière, j'ai récupéré son sang. Ils sont moins en moins nombreux, hein, ces gens-là. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'ai 612 ans, hein, c'est 600 ans plus que ce qu'il faut pour leur plaire. Enfin, non. On va passer à autre chose. Non, n'applaudissez pas ça. On va... Oh, c'est dégueulasse. C'est ça. Ben, c'est comme les petits jus. On appelle ça des caprissants. C'est ça. Bon. Alors, donc... Il y a une pénurie de dons de sang en ce moment, hein. Oui, hein. D'ailleurs, je peux dire que ça fait très longtemps que je ne suis plus allé dans un centre de dons. Ah, vous êtes donneur? Non, moi, je suis preneur. C'est-à-dire que dès qu'ils ont le dos tourné, je siphonne toutes les réserves. Mais là, ils sont en pénurie, donc je n'y vais plus. Bah oui, bah alors c'est à cause de vous qu'il y a pénurie, alors. Ben non, puisque je n'y vais plus. Bah... Mais dès qu'il n'aura plus pénurie, j'y retourne. Ben, ça causerait une nouvelle pénurie. Et là, je n'irai plus. Voilà la solution. Attendez. Non, mais pardon, mais j'ai quand même un peu l'impression que vous causez vous-même les problèmes que vous prétendez solutionner sans pour autant les résoudre.
Ouais, ben comme quoi, je suis fait prêt pour faire de la politique belge. c'est pas faux. Ouais. Non, mais est-ce que je vous vois venir, vous les humains, vous mangez des steaks frites, on ne vous dit rien. Moi, je suce directement le sang, je bois du sang. Moi, par exemple, quand je regarde Massacre à la tronçonneuse, ben c'est comme vous, quand vous regardez Top Chef, moi, ça me donne faim. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça. Quand je regarde Twilight, j'ai envie de tomber amoureux. Et pourtant, je suis très sélectif. Hein. Moi, quand je rôde à la sortie des boîtes de nuit, je ne me tape que des boudets. C'est un choix ou... Ben non, c'est pour leur sang. Je te dis que je suis sélectif. Oui, pardon. Oui. Bien, c'était celui-là. Vous allez en boîte pour boire un coup, quoi. Écoute-moi, déjà que j'ai accepté de venir 10 minutes en pleine lumière, si tu fais encore une blague comme ça, je soulage le monde entier de ta présence sur Terre. Hein. Il faut rester sérieux, hein. On n'est plus respectés, nous, les vampires. Et l'autre jour, je me promenais, j'entends un gamin qui fait « un vampire ». D'habitude, les gens, ça les fait fouiller. Et là, j'ai toute une ribambelle d'adolescents boutonneux qui viennent me monter dessus à la... en quête de sensations fortes. Ben, vous étiez où? Ben, j'étais à Walibi, hein, aussi. C'est ça, c'est qui joue. Hein. De toute façon, n'importe quel sang ne convient pas à n'importe quelle personne, il faut le savoir. Ah bah oui, ça dépend de plusieurs facteurs, hein, ça... Ah, t'es, toi, me parler de facteurs, tu me donnes faim. Non, j'en ai encore sucé deux la semaine dernière. Non, je parlais du facteur rhésus, moi. Et pourquoi est-ce que tu veux que le facteur rhésus? Non, je dis le facteur rhésus. Non, mais les mœurs sont en train de changer. Il y a même des vampires végans, maintenant. Mon cousin est vampire végan. Ah tiens. Il ne suce que des oranges sanguines. Tu devrais voir son thème, maintenant. Il est encore plus orange que l'autre. Ici, en face. Hein. Bon. De toute façon, moi j'ai... J'ai mes petites techniques hein, maintenant pour s'assurer que le son est bien bon. On envoie des éclaireurs. Hein. Des éclaireurs? Oui, ben, on envoie des moustiques. Ah bon? Alors c'est parti, collecte, alcool, test, dépistage. Et là, une fois que c'est beau, moi, alors je me lève, je me déplace à pas menu dans notre bonne vieille ville de Liège. Et je croise des milliers de zombies à la mine des fêtes. Et la tête passe. Et ils sortent d'où? Du stade de ce qu'ils sont, hein. Et c'est de pire en pire chaque année, hein. Ouais. Alors après, je vais dans le carré et je les vois tous allongés et amorphes dans les moindres recoins des ruelles sombres. Toutes ces victimes innocentes qui me sont promises. Quoi? Elles sont décédées? Mais elles sont complètement pétées comme des gorées, hein. C'est devant le carré à Litch, hein. Ah oui, devant le carré à Litch, c'est comme sous là, hein. Et ils saignent du nez parce qu'ils se sont sprachis leur gueule sur le tarmac, hein. D'ailleurs, c'est une MNN du sang, hein. Mais c'est une MNN du sang. C'est une MNN du sang qui coule, c'est du péqué. Et c'est même dangereux pour moi, hein. Chaque fois que tu vas sucer dans le carré, tu pounais prêtre mes voitures, hein. Tu dois rentrer à pied, hein, jusqu'à Moron, hein, tellement que tu suces prochi. Oui, ça va. Bon, c'est un vampire wallon, hein, donc bon, voilà. Ah, mais ça, tu peux voyager tant que tu vois mon monde entier, il n'a nul place au monde où ce que t'as tant pété. Cali, tu regardes du vent public ici, chat. Ils ont rien bu, ils ont déjà tous des têtes de saut. Allez, bon, écoutez, bon, allez, reprenons-nous parce que, bon, là, On n'est pas à Stumpeke des Raouettes ici. Mais c'est la vérité vraie. Elle va aller se demander ce qu'ils viennent maquiller dans le biberon des FA pour qu'ils se retrouvent strachi quand ils sont devenus des gratte et Jack qui sont tendus sur leurs deux pieds. Bon, écoutez, on va arrêter le plan l'angle, hein, parce qu'on comprend bien. On va reprendre le cours normal de la narration, s'il vous plaît bien. Oui, donc je fonce sur mes victimes dans le carré. Oui. Je suce. Oui, ça, on va le faire en wallon, alors ça va passer mieux, je crois. Je suceille. C'est fort proche du français, hein. Parce que Liège, pour un vampire, c'est piégeux, en fait. Eh, évidemment, c'est ce qu'ils disent dans le guide du Draculaire. Dans le quoi? Le guide du Draculaire, c'est comme le guide du Routard, mais pour les vampires. Ah bon? Par exemple, Nuvena sucer au cycliste, pendant de classique wallon comme Litch Baston Litch. Hein? Si tu vas sucer au relu du Vesvilo, il n'a que des crasses à du Vesvilo. D'accord, c'est reparti, d'accord, oui. Ben oui, parce que Mumfrey, as-tu sucé deux cyclistes l'année dernière, pédalé, je m'astolige, as-tu pété et vous jusqu'en haut de la cathédrale Saint-Paul, qui as-tu se sprachit devant l'horloge de la cathédrale? Litch, il est même place pour vivre pour un vampire. Oui, je comprends. Non, tu ne vous peux rester, Chan, terminez le wallonnais, maintenant je vais en France. Ah, enfin, je ne suis pas sûr que le sang coule à flot, hein. Ah ouais, ben va un peu dans une manée, fais-tu crier vive Macron, tu vas voir s'il n'aura pas du sang. Allez, bon, moi, Jan Nerva, et sans être hypocrite, oui. Faites attention quand vous vous promenez le soir, regardez bien derrière vous, hein. Moi, je ne suis pas un hypocrite, hein.
Tu sais ce que c'est un hypocrite c'est toi qui va tirer devant une église et dire que c'est l'essai. C'est tout là un hypocrite. Allez, mais tu n'as pas qui s'y va, tu sais, dis. Thank you.